Ce qui est fondamental, c'est, je dirais, que le gouvernement français continue de montrer qu'il est là pour faire face à la crise. Ce qui a été le cas depuis le début, depuis le mois de mars, c'est évident, mais il est tout à fait essentiel qu'il puisse sans arrêt démontrer par des baisses d'impôts, par un souci particulier sur tous les outils d'attractivité, qu'il puisse montrer qu'il a vraiment à l'esprit la volonté de faire de Paris une place financière qui sera capable de relever le défi posé par le Brexit.